Parfait. Bonjour à tous. Merci d'être si fidèles à nos rencontres. Je vous invite à patienter encore quelques minutes. Il est 32. Nous allons non pas attendre le quart d'heure officiel, mais quelques minutes encore pour permettre à ceux qui sont en train de se connecter de rentrer dans notre assemblée. Bon, je vais commencer. Juliette, je vous laisse la main pour permettre aux retardataires de nous rejoindre. Merci. Alors, chers amis, chers auditeurs, merci d'être si fidèles encore ce soir. Donc, nous arrivons au terme de notre cycle de visioconférence sur Hugo Pratt. Merci. Donc, après les passionnantes présentations que nous avons eues les semaines précédentes, hein, Dominique Petitfaux et Bertrand Huillon, nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Michel Pierre, co-commissaire avec Paul Mataran de l'exposition Hugo Pratt, Horizon lointain, qui se tient au Musée d'Aquitaine jusqu'au 6 février et dont vous voyez l'affiche ici sur votre écran. Alors, pour présenter notre conférencier, il me faudrait peut-être toute la séance. Non, ce n'est pas nécessaire. Hein, tellement son œuvre et sa carrière sont riches et prolixes. Donc, historien, écrivain, enseignant, diplomate, ce que nous retiendrons ce soir de votre parcours, c'est ami et collaborateur d'Hugo Pratt. Alors, modestement, quand même. Vous êtes trop modeste. Vous avez collaboré ensemble à l'écriture d'ouvrages et vos écrits sur Corto Maltese ont éclairé les amateurs de BD, autant sur son œuvre que sur les personnages qui parcourent ses récits d'aventure si célèbres. Alors, je citerai la bande dessinée chez Larousse en 1976, écrit avec Hugo Pratt, puis cette... Ah non. Ah, pardon. Non, c'est un petit livre que j'avais écrit tout seul, qui m'a permis par la suite de connaître Hugo Pratt. Ah, mais à coup de pas. Non. Merci non. De me reprendre. Corto Maltese Mémoire aux éditions Casterman en 1987. Vous vous êtes également penché sur les femmes dans l'œuvre de Corto Maltese chez Casterman en 1994. Je citerai également Armorik, Balade de Corto Maltese en Bretagne en 2004. Et un de vos derniers ouvrages, Carnet de Cambuse, les recettes de Corto Maltese à travers le monde, publié en 2007. Ouvrage que je vous invite à consulter ou en tout cas à emporter dans vos bagages si vous partez faire une croisière. Il me reste à vous remercier, cher Michel, de votre présence, de nous faire partager votre connaissance si pointue et intime de l'œuvre d'Hugo Pratt. Et nous allons vous laisser la parole. Avant cela, encore quelques informations concernant le déroulement de cette soirée. Donc, vous pouvez poser des questions pendant la conférence via l'occurrence qui se trouve sur votre ordinateur et qui s'appelle « Discussion ». Vous n'avez pas vos micros ouverts, mais si vous souhaitez, à l'issue de cette conférence, poser des questions de vive voix, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Lever la main ». Et nos modérateurs vous laisseront poser vos questions. Je remercie Bertrand Huillon et Dominique Petitfaux d'être avec nous ce soir et d'animer la conversation après cette conférence. Merci à vous. La parole, cher Michel, est à vous maintenant. Bonne soirée à vous tous.
Merci, merci beaucoup. Donc, je vous invite à un parcours avec quelques dizaines d'images, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas m'appesantir sur chacune d'entre elles. La première, c'est ben, pour simplement signaler, puisque vous voyez la date de l'exposition, hein, je m'adresse là particulièrement aux amis du musée, dont une partie d'entre eux ont déjà vu et d'entre elles vu l'expo, mais elle est là à plein régime jusqu'au 6 février de l'année prochaine, ce qui fait quand même plus de 3 mois pour revisiter, redécouvrir ou découvrir l'exposition. Alors là, j'ai. Ah, voilà. Donc, excusez-moi, juste une question. Est-ce que vous voyez vraiment les images défiler? Là, il n'y a pas de problème? Non, D'accord. c'est tout à fait clair. Bon, d'accord, merci. Juste, c'est peut-être pour lancer un petit concours international selon vos voyages ou les endroits où vous pouvez vous rendre, c'est de croiser tout ce qui peut avoir une relation, en l'occurrence avec Corto Maltese. Il y a un certain nombre de propriétaires de bateaux, plus ou moins importants, qui ont baptisé leur bateau justement du nom de Corto Maltese, mais de temps en temps, quand je voyage comme ça, mais là je lance le concours, je note l'utilisation de Corto Maltese, comme à gauche par exemple, dans le restaurant des marins à Dinard, ou à Kourou, le catamaran qui va de Kourou aux îles du Salut, porte cette petite étiquette de Corto Maltese pour recevoir l'obol des passagers. Et en bas, c'est comment dirais-je, une inscription du visage de Cortot en bas d'un mur d'une rue de La Valette à Malte, ce qui est parfaitement logique. Mais j'aurais pu en proposer d'autres. Mais donc voilà, lancement d'initiative pour découvrir Cortot à travers le monde. Et puis aussi cette image qui est d'actualité, que j'ai trouvée en travaillant sur une œuvre de Hugo un petit peu disparue ou moins connue, El Cacique Blanco, dans lequel on trouve le personnage principal qui déclare que si cette épidémie se répand, nous allons tous mourir. Donc c'est quelque part un encouragement à la troisième vaccination si elle est et si elle devient nécessaire. Donc, Hugo Pratt, la première date, hein, 1927, avec le nom d'origine en quelque sorte, le prénom Hugo et le Pratt avec un seul T, en fait une ascendance française du bassin rhodanien, et Hugo ayant décidé par la suite, parce qu'il voulait se construire, comme il le disait, ses propres souvenirs et sa propre destinée, le doublement du T, conforme à ce qu'il voulait être et avoir une ascendance anglo-saxonne. Hugo Pratt, c'est d'abord, cela est déjà bien connu, avait aussi été montré par Dominique, c'est Venise, c'est quasiment la naissance, mais surtout l'enfance à Venise, qui demeurera présente dans son œuvre des origines en quelque sorte jusqu'à la fin, en particulier par des aquarelles et par l'album Fables de Venise. Alors de la présence vénitienne, on possède quand même un certain nombre de documents, dont déjà en costume de marin, le petit Hugo Pratt, et puis entouré de sa mère et de ses tantes, de ce gynécée dont il parlait parfois, de cet environnement de belles et de jolies femmes qui étaient présentes dans son enfance. Et puis ce sont, au moment de l'adolescence, les années éthiopiennes, et par rapport à une photo qui est aussi assez connue, on le voit avec son père, là, sur le document de droite, j'ai trouver vraiment une ressemblance par rapport à un certain nombre d'affiches du fascisme, où on voit aussi l'adulte avec un enfant prêt à défendre le régime et le pays. Et je pense, consciemment ou inconsciemment, que dans cette photo plus ou moins de studio entre Hugo et son père dans les années éthiopiennes, le rapport avec cette affiche des temps du fascisme. On sait aussi que ce moment où le jeune Hugo Pratt, qui dessine déjà
se rend en Éthiopie. Il y a un passage par le canal de Suez qu'il a plusieurs fois évoqué. Et ce qui le marque pendant ce passage du canal de Suez, c'est d'apercevoir des troupes britanniques, l'Égypte étant contrôlée par la Grande-Bretagne, et parmi ces troupes britanniques, des Écossais en kilt montant la garde au bord du canal et dans un ordre parfait, avec un camp impeccable. Et Hugo a souvent parlé de cette fascination qu'il a à ce moment-là pour l'armée britannique et qu'il ne le quittera plus ou moins en rapport avec, disons, une plus grande décontraction dans les troupes italiennes. Et il y a un point sur lequel je voudrais juste peut-être accentuer la réflexion dans ce moment de conférence, c'est une interrogation que je développe et ceux qui, celles qui ont vu l'exposition savent que j'y suis attentif, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a 10 ans sous Mussolini et qu'on est abreuvé d'images. On est abreuvé d'images, d'une part par celles du régime et par celles aussi qui viennent des États-Unis. C'est un cas finalement assez rare où entre la bande dessinée, le cinéma, l'affiche, la propagande, etc., on a toute une génération qui va vraiment recevoir cet afflux qui va beaucoup marquer, je pense, l'imaginaire de toute une génération. Alors, vous voyez par exemple cette revue Audax, la chasse du bandit, et en bas, ce sont les éditions Walt Disney, Mondadori, donc toute la bande dessinée américaine qui pénètre qui est là, qui est présente dans l'Italie fasciste, et toute aussi l'imagerie fasciste qui la double, qui la confronte, qui s'interpénètre en quelque sorte, et qui pour moi accueille aussi, je crois qu'une question dans la précédente conférence évoquait le futurisme. Ben, quand on regarde par exemple cette revue Il Balila, qui était la revue des plus jeunes militants du fascisme, on voit très bien comment ce mouvement de peinture futuriste intervient, y compris dans les dessins pour la jeunesse, avec une variété de dessins, soit américains, soit par des auteurs italiens, qui rejoint aussi l'extraordinaire floraison du cinéma italien de l'époque. Ne jamais oublier que Cinecittà, tout comme le Festival de cinéma de Venise, est une création du fascisme italien. Donc j'insiste vraiment sur cette surabondance qui va peupler un imaginaire qu'on retrouve, par exemple, même de manière un peu incidente, dans une image du film Ettore Scola, Une journée particulière, où on voit Sophia Loren lire un supplément de bande dessinée célébrant Dick Fulmine. Dick Fulmine, qui est une création italienne pour compenser la bande dessinée américaine qui, à partir de 1938, n'est plus diffusée dans l'Italie fasciste. Et Dick Fulmine, qui devient Alain Lafoudre dans des versions françaises, est vraiment une sorte de comment dirais-je, de mâle musclé et à forte carrure, et symbolisant en quelque sorte les vertus viriles du fascisme mussolinien, avec ce type de vignette que vous avez sur la gauche, je me sens doublement orgueilleux d'être italien. Et tous ces héros américains transformés, devenus italiens, mêlés d'influences diverses, eh bien, quand vous regardez cela dans quelque chose de plus large que simplement la bande dessinée en général ou celle de Pratt en particulier, vous avez une génération de créateurs un petit peu exceptionnels ou tout à fait exceptionnels qui, pendant entre 1920 et, disons, le début des années 1930, et qui va, en tout cas, je le pense vraiment, et ça mériterait peut-être d'être étudié plus finement, qui vont être très marqués par cette double imagerie, en quelque sorte, par tout ce qui va abreuver, comme on n'échappe jamais à son enfance. Eh bien, on sait pour la plupart de ces créateurs combien la bande dessinée et le cinéma et l'affiche a pu les marquer. Depuis
Fellini, Pasolini, cet autre grand dessinateur de bande dessinée qui était Dino Battaglia, le rôle chez Ettore Scola, Umberto Eco qui a magnifiquement parlé ou écrit aussi sur la bande dessinée, Dario Fo pour le théâtre, toute cette génération extraordinaire de la culture italienne a quelque chose de commun, et ce quelque chose de commun, en tout cas pour moi, passe par ces images et par la bande dessinée. Et puis, Hugo, si je reviens à lui, bien, va devoir quitter l'Éthiopie reconquise par les Anglais. Comme l'avait expliqué Dominique précédemment, son père, il décède, il revient donc à Venise avec sa mère par un navire de la Croix-Rouge. Je n'ai pas pu m'empêcher d'évoquer ce film de Roberto Rossellini, La Nave Bianca, qui évoque justement l'un de ces bateaux de la Croix-Rouge. Parmi les dessinateurs, on pourrait faire toute une énormément de conférences pour montrer les différentes influences qui ont pu jouer sur Hugo Pratt. On reparlera tout à l'heure de Milton Caniff, mais il y a quelqu'un aussi sur lequel je travaille un petit peu en ce moment, qui est un dessinateur avec un destin tout à fait extraordinaire, qui s'appelait Kurt Kaiser, qui, comme son nom l'indique, n'avait rien d'être totalement italien, puisqu'il était né en Alsace, mais parti ensuite en Italie. Pour la petite histoire, il fut même à un moment le traducteur de Rommel pendant la guerre de Libye, et il va développer une œuvre très étonnante d'aventure, de guerre, dont je pense que Hugo a pu s'inspirer dans les récits de la période anglaise de 1960. Voilà des exemples de l'œuvre de Kurt Kaiser, assez extraordinaire dessinateur de guerre en particulier, et qui rejoint alors un mouvement lié au futurisme italien qu'on a appelé l'aéropittura, où on a un certain nombre de peintres qui sont fascinés par la technique, fascinés par les machines, comme l'a été le futurisme italien, au point de faire des œuvres comme celle de Gauche, tout à fait extraordinaire, où le visage de Mussolini s'inscrit vu d'avion dans un paysage de Rome, avec aussi sur la droite des compositions aériennes. C'était un mouvement très, très important qui n'a pas été sans influence sur la bande dessinée de cette époque. Et puis, pour Pratt, la période 43-45, eh bien, c'est la période assez étrange de Venise à la fin de la guerre, à la fois mue par un certain nombre de podromes de guerre civile, avant que la ville ne soit déclarée ville ouverte par les Allemands et que les derniers défenseurs fascistes du régime ne se rendent dans une période particulièrement troublée dont Hugo Pratt a parlé plusieurs fois avant de se livrer dès 1945 donc à l'activité dont il a toujours rêvé dans l'enfance, le dessin et la bande dessinée avec, mais nous en avions déjà parlé, la première revue à laquelle il va collaborer et où il va créer un héros, l'As de Pique, l'Asso di Pique, avec 20 numéros de 1945 à 1949, où il va commencer à préciser, affiner et découvrir véritablement ses capacités de graphiste et un peu de raconteur d'histoire. Et c'est là, dans ce début de sa carrière de dessinateur, eh bien, que l'on revient, même si nous l'avions déjà évoqué, à l'influence de Milton Caniff, hein, qui est ce dessinateur américain qu'il découvre dans la presse italienne avec Terry et les Pirates, et puis qu'il découvre après la Seconde Guerre mondiale dans Steve Kenyon, qui sont les deux grandes créations de Milton Caniff, dont on voit déjà, dont on voit sur cet original l'influence que tout cela a pu exercer sur Hugo Pratt. Milton Caniff étant l'aîné de Pratt d'une vingtaine d'années, hein, donc nous ne sommes pas en présence de dessinateurs, bien évidemment,
pouvant être contemporain. Et puis, j'ai toujours été frappé aussi, y compris dans la signature des deux hommes. Hein. Quand Hugo Pratt choisit sa signature de dessinateur, avec le H précédent, le Hugo, et le doublement du T, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme de ressemblance avec le double F de Canif. Mais à la fois de Dominique et Bertrand ont déjà souligné l'influence de Canif sur Hugo, donc je ne vais peut-être pas trop y revenir, si ce n'est pour des points particuliers, par exemple l'utilisation de l'ombre. À gauche, c'est une image de Canif, à droite, une image de Pratt. De même ici, ou encore sur ce troisième exemple, où là nous sommes plus dans ce que Hugo va aussi retenir de Milton Caniff, c'est-à-dire vraiment un art du cinéma, c'est-à-dire les plongées, les contre-plongées, les gros plans, les plans américains que vraiment Pratt a en quelque sorte appris de Milton Caniff, mais aussi, comme on le disait, du cinéma. Donc c'est après la période, le tout début de la Sodipique, c'est la décennie argentine, je crois que ça a déjà été évoqué. Donc je n'y reviens pas trop, mais sinon pour souligner que parmi ce groupe qui se rend en Argentine, il y a vraiment des auteurs, des créateurs importants comme l'écrivain Alberto Ungaro ou encore le dessinateur Mario Faustinelli. Donc c'est tout ce petit groupe qui était autour de la revue Las del Pic qui va partir en Argentine à la demande et sur la suggestion d'un éditeur argentin par rapport à un marché de la bande dessinée qui est considérable à Buenos Aires. Et évidemment, Hugo va en quelque sorte plus tard dans l'album Tango, va remercier ou en tout cas évoquer cette période et qui est en même temps une période qui pour lui est liée à la musique. Alors c'est vrai que dans la version française, l'album Tango s'appelle Tango, mais dans la version d'origine, on fait allusion à Amedia Luz, c'est-à-dire ce tango chanté par Tino Rossi, c'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la petite pochette du disque, et qui évoque aussi ce que nous... Alors, j'en reparlerai tout à l'heure à propos de l'exposition, mais qui est aussi un élément qui fait qu'il y a chez Pratt, comme chez aucun autre dessinateur de bande dessinée à ma connaissance, une bande-son, un univers sonore auquel appartient un tango, avec des points parfois extrêmement précis, très clin d'œil pointu, par exemple lorsque vous avez cette vignette à droite où l'un des personnages de Tango tente d'entraîner Corto dans une soirée avec Donato et Lenzi, qui sont tous les deux du reste d'origine italienne et qui vont être parmi les plus grands créateurs de tango de l'histoire. Et là, cette petite allusion qui est faite fait allusion justement à des réels créateurs de tango. Alors, cette période argentine, Bertrand en a bien parlé précédemment, je n'insiste pas, sinon quelques exemples d'un travail considérable, comme Bertrand l'avait bien montré avec ses graphiques. Jamais Hugo Pratt n'a autant travaillé, ce qui lui a permis d'atteindre en quelque sorte la plénitude de son style déjà dans cette décennie de Buenos Aires, avec toutes ces séries qui vont aussi bien toucher à la Seconde Guerre mondiale qu'aux histoires de western, et en particulier grâce à un extraordinaire scénariste, Hector German Oesterheld, qui va connaître un destin tragique, hein, je tiens aussi à le souligner, ça me semble important, c'est sans doute l'un des plus grands scénaristes de bande dessinée
qui est existé et qui va disparaître en 1978 sous la terreur des généraux argentins. On n'a jamais su exactement ce qu'il est devenu. Il est vrai qu'il était très proche de l'extrême gauche. On connaît par exemple la biographie qu'il a fait du Che avec avec Brescia, autre extraordinaire dessinateur. Et Oesterheld a disparu comme chose encore plus abominable, ses quatre filles, ses gendres, des petites filles, etc. Seule sa femme par la suite a fait partie de ce qu'on a appelé les folles de mai, qui demandaient vraiment de savoir ce qui s'est passé. Et nous ignorons encore aujourd'hui très précisément ce qui a pu se passer. Donc simplement pour mentionner ce scénariste sans lequel je pense Hugo Pratt n'aurait pas atteint le sens du récit ou la force du récit qu'il a eu par la suite. Il suffit de regarder une série, Ernie Pike, qui part d'un véritable. Enfin, Ernie Pike, c'est l'histoire d'un correspondant de guerre américain sur les fronts européens et aussi en Asie, et qui part d'un personnage ayant réellement existé, comme on le voit sur la couverture de gauche, qui s'appelait Ernie Pyle, et qui a, de plus, dès 1945, et je pense que c'est un film que Pratt et que Oesterheld avaient vu, un film, The Story of G.I. Joe, qui justement raconte l'histoire vraie de Ernie Pyle, d'autant plus vrai que ce film de 1945 insère des bandes documentaires et le fait que Ernie Pyle meurt en 1945 à Okinawa pendant à la fin de la guerre du Pacifique. Et c'est un film très étonnant par un cinéaste William Wellman, que Hugo Pratt suivait particulièrement, y compris dans ses westerns. Un grand cinéaste d'Hollywood dont les films étaient diffusés à travers le monde. Alors, bêtement, ce film porte en français le titre Les Forçats de la gloire, mais on le trouve encore assez facilement et ça permet de très bien comprendre comment, dans la lointaine Argentine, Pratt et Oesterheld ont créé cette série d'Ernie Pyke. Donc, voilà les autres créations des deux hommes, comme Sergeant Kirk. Et puis, en 1959, la création où cette fois-ci Hugo est à la fois au dessin et au scénario, la création de Anne de la Jungle, son premier album au moment du début d'une forme de maturité, où on voit déjà plus ou moins poindre le personnage de Corto Maltese avec celui d'un marin dans Anne de la Jungle, Tipperary O'Hara. Et après la période argentine, c'est ces années, la période de Londres, où Hugo va être en quelque sorte utilisé, si on peut dire, ou en tout cas, il va travailler pour des maisons d'édition, multipliant des petits fascicules de guerre. À un moment, en ce début des années 60, fin des années 50, ou peut-être par rapport à une Grande-Bretagne en situation difficile, qui voit disparaître son empire colonial, qui n'est plus la puissance économique qu'elle était avant la Seconde Guerre mondiale, qui va diffuser une incroyable culture de victoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire revenant sans arrêt sur le fait, et réel bien évidemment, d'avoir été à un moment les seuls à résister contre Hitler et à se battre contre le nazisme. Et donc cet orgueil va revenir par une affluence et une influence d'images qui passent. Alors, les deux dessins montrent un petit peu les créations, le style d'Hugo à l'époque, qui parfois atteint l'expressionnisme, comme l'avait expliqué Bertrand, mais qui parfois est une tâche réalisée avec une forme de désinvolture qu'on retrouve aussi dans la vignette ici représentée en français. Alors je ne sais pas si c'est la traduction ou si Hugo avait déjà, ou si ça vient du scénariste, mais effectivement, ce que dit ce soldat en plein combat
est un petit peu étrange, mais j'ai voulu aussi montrer comment cette période de création de Hugo s'insère dans ce grand mouvement d'orgueil, plus ou moins réel, mais réactualisé, qui passe aussi bien par Churchill ayant le prix Nobel de la paix au début des années 50, ou alors Couler le Bismarck, grand film de 1960, ou alors les deux autres films que vous avez à droite qui sont à la gloire des pilotes britanniques. Donc, après cette période londonienne, eh bien, on voit Hugo revenir en Italie, c'est l'installation à Malamocco avec sa famille. On voit de fait là, sur l'image d'en bas avec l'une de ses filles, et à l'arrière le tableau que Bertrand nous a montré dans une conférence précédente. C'est l'époque où Hugo va travailler pour le Corriere dei Piccoli pour un certain nombre de récits, alors qui vont être pour partie la reprise justement de Anne de la Jungle, et puis d'autres séries dans lesquelles Hugo va plus ou moins s'épanouir ou créer des dessins incroyables, comme dans Fanfula par exemple, cette histoire censée se passer sous la Renaissance italienne. Et il va aussi faire des dessins, alors presque à l'ancienne, où il faut faire des dessins et le texte est en dessous. Et on sait qu'à un moment, la lassitude va venir par rapport à cette collaboration avec cette revue dans laquelle il a du mal à s'épanouir, sans compter des conflits permanents avec le rédacteur en chef. C'est un moment où il commence quand même à être vraiment reconnu dans l'univers de la bande dessinée en Europe, alors que commencent à naître aussi des congrès, des colloques, des manifestations, telles la première l'une des premières en 1965 à Bordighera en Italie, avant que n'arrive le festival de Lucca et plus tard en France celui d'Angoulême. Cette période italienne, cette période plutôt du Corriere dei Piccoli s'arrête, et puis c'est le chef-d'œuvre de la maturité. J'y reviens pas, Dominique en avait déjà parlé et fort bien avec la parution dans la revue Sergent de Cœur, Cagène, etc. Si ce n'est pour à nouveau montrer quelques images et l'incroyable force et l'incroyable nouveauté de ce graphisme en noir et blanc qui apparaît dans la balade de la mer salée. Ça simplement, c'est pour le plaisir de l'image que nous avons utilisé de fait dans l'exposition de Bordeaux et qui était quelque chose de tout à fait nouveau quand même dans la bande dessinée de l'époque. Y compris dans la balade de la mer salée, la présence d'un personnage féminin qui sera suivi de bien d'autres, mais qui va être un vrai choc pour les lecteurs de la balade. Et puis, un mot peut-être, et le personnage de Corto Maltese y incite, et me permet d'insister sur le rapport, encore une fois, de Hugo Pratt avec le cinéma. Alors, nous savons que Corto Maltese vient de Burt Lancaster dans Le Roi des Îles, mais en ayant revu le film récemment à Bordeaux, on s'aperçoit finalement qu'il y a plus d'images qu'on ne pouvait penser qui sont restées dans l'imaginaire de Pratt quand il fait la balade de la mer salée et dans des aventures qui ont suivi cette balade par la suite. On connaît aussi bien sûr l'image où apparaît pour la première fois Corto Maltese dans la balade et qui renvoie directement à ce film d'Edward Lubitsch en 1948, Le réveil de la sorcière rouge, avec une ultime allusion à ce film avec John Wayne, comme on le reconnaît ici, dans Mu, et cette fascination du scaphandre qui remonte à l'enfance, qui repasse par Le réveil de la sorcière rouge et qui se retrouve dans la dernière aventure réalisée du vivant de Pratt de Corto Maltese. Alors, peu à peu, le cinéma, les
films, mais aussi une autre imagerie, vont peu à peu créer ou figer un peu le look de Corto Maltese, mais qui passe aussi bien par l'aspect qu'on lui connaît que par le t-shirt noir ou par celui de l'élégant danseur de tango. Autre exemple ultime du cinéma qui passait par tous les types de films possibles. Hugo était un filmophage, et ceci, c'est une comédie musicale de 1933 qui, en américain, Hollywood, était Footlight Parade, prologue en français, et Viva les Donne en Italie, avec cette invraisemblable affiche de la sortie du film dans les années 30, qui ont dû susciter quelques protestations dans les milieux catholiques de l'Italie mussolinienne. Mais je mentionne ce film parce que Hugo, qui chantait en italien l'une des chansons de cette comédie musicale, y trouve aussi son personnage de Shanghai Lil, compagne d'un acteur qu'il aimait particulièrement, qui était James Cagney, et c'est l'un des films dont il parlait et aussi dont il chantait certains airs. Et puis, pour en arriver à la période adulte de la création, eh bien, c'est la France, c'est le chemin de la notoriété, en particulier la collaboration avec PIF, toutes les aventures réalisées entre avril 1970 et avril 1973, donc 3 ans pour 21 récits de Corto Maltese et 420 planches qui sont éditées par PIF. On voit ici Hugo lors d'une des signatures vraisemblablement liées à une manifestation de PIF Gadget. Et puis une reconnaissance au moment où il va quitter PIF, plus ou moins volontairement, ou plutôt la collaboration avec PIF va s'arrêter, c'est la reconnaissance qui arrive dès 1974, donc au lendemain de l'arrêt de la collaboration avec PIF, avec le premier salon de la bande dessinée d'Angoulême, qui reprend l'une des illustrations, l'un des dessins en noir et blanc de Hugo. L'exposition aux arts décoratifs qui a déjà été évoquée en 1986, et puis pendant plus qu'une décennie, presque 20 ans, la collaboration à suivre qui va vraiment être le moment où le talent de Hugo va être vraiment reconnu. Et petit à petit, dans ces histoires de Corto Maltese, il va, j'allais dire, presque s'amuser avec peu à peu la construction de son personnage. On voit par exemple, Corto Maltese a été 3 fois contrôlé par la police, on les voit ici rassemblés, et en fait, on se rend compte que Corto Maltese, et ça c'était un petit clin d'œil de Hugo Pratt, Corto Maltese qui est pourtant une sorte de gentilhomme de fortune, comme il le disait, un corsaire, une forme de pirate, a toujours ses papiers en règle. Et ça, c'est une petite allusion autobiographique d'Hugo Pratt vis-à-vis de lui-même, puisque, par exemple, n'ayant pas le permis de conduire, il faisait toujours très attention à ce que celui ou celle qui conduisait ait ses papiers en règle, et lui-même, passant assez facilement d'une frontière à une autre, était très attentif à avoir ses papiers en règle, tout comme on l'a ici, Corto Maltese. Il s'est amusé par la suite aussi à construire toute une vie de Corto Maltese, et quand nous avons travaillé sur les mémoires de Corto Maltese, il s'est amusé à quelques dessins de reconstitution de ce type, où on voit des choses rarissimes, les parents de Corto et le petit Corto sur le quai, soit à Gibraltar, soit à Malte. Autre petit clin d'œil humoristique autour de son personnage, ou en tout cas distancié, c'est la maison de Hong Kong que possède Corto Maltese, dans lequel on voit ici pénétrer avec un intérieur absolument somptueux, y compris un piano à queue, et y compris sur les murs, on voit ici à gauche,
Un tableau, alors, bon, j'ai imaginé que ça pouvait être un tableau de Modigliani qui compléterait une collection personnelle que Corto Maltese avait et qui comportait aussi un Gauguin. Donc, l'idée que nous avons ce pirate corsaire avec des papiers en règle dans des maisons somptueuses avec une collection de peintures qui ne l'est pas moins, fait partie de ces clins d'œil, de cette forme de fantaisie, d'ironie que Hugo Pratt avait vis-à-vis de son personnage. Et puis le succès justement de Corto Maltese, le succès de son œuvre fait qu'il peut s'installer à partir de 1984 en Suisse, à Granvaux, dans une vaste villa qu'il loue et qui lui permet d'accueillir sa vaste bibliothèque et puis de travailler dans des espaces qui s'y prêtent totalement. Par la suite, en quelque sorte, en reconnaissance par rapport à sa nouvelle patrie, il y aura l'album Les Helvétiques et tout un ensemble d'aquarelles sur les très identifiés à chacun des cantons suisses. Un appartement, une villa, pardon, qui permet d'accueillir sa bibliothèque et en quelque sorte de rassembler toutes ces allusions qu'il fait à ces grands écrivains déjà évoqués par Dominique, donc j'insisterai pas. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu à la fois un héros de bande dessinée d'aventure être confronté à la violence, à la guerre, etc., mais en même temps prendre le temps de lire avec bien évidemment une reconnaissance à l'écrivain qui pour lui était l'un des plus importants, Robert Louis Stevenson et L'île au trésor. Bien évidemment aussi Kipling. Et pour terminer, j'aimerais juste revenir un petit peu sur l'exposition, sur le fait, comment dirais-je, ce travail en commun, tant à Lyon qu'à Bordeaux, qui nous a permis d'explorer ou de regarder l'œuvre de Pratt de manière peut-être un tout petit peu différente. À partir de la localisation, là, ce sont uniquement les histoires de Corto Maltese, mais nous avons aussi traité l'ensemble des géographies de Pratt, passant par des dizaines d'autres personnages et des dizaines d'autres albums, et qui part aussi d'une idée et d'une vignette dans Les Éthiopiques, c'est la seule qui fait ce type d'allusion, où on voit Corto Maltese proposer en Afrique de l'Est, proposer à un achat de masques. Et à partir de cette vignette, avec l'ayant droit de l'œuvre de Pratt, Patrizia Zanotti s'est développée l'idée de confronter les dessins de Pratt avec les arts premiers. Comme on le voit avec cette image sortie de Cathode Zulu et un bouclier Zulu, ou alors tout ce que Hugo Pratt a pu utiliser comme représentation des œuvres d'Océanie et qu'il a rassemblé, alors sans véritable cohérence, hein, il est impossible par exemple dans ce dessin de la balade de la mer salée, que ces masques puissent être retrouvés tous ensemble, à moins que ce soit justement une collection. Et nous sommes partis aussi d'un travail qui avait été réalisé par un universitaire, Thierry Wendling, qui avait fait un article sur la collection d'art premier de Raspoutine, telle qu'on le voit ici. Puis à partir de ces dessins, ou de celui-ci, hein, on voit Raspoutine avec ce masque cavate, assez fréquent dans les musées, qui a permis de constituer peu à peu cette exposition de Lyon et maintenant celle de Bordeaux, qui à la fois revient sur ce dont on a déjà parlé, à travers aussi beaucoup de planches et d'aquarelles originales dans des espaces qui précisent la vie de Hugo Pratt et qui reviennent aussi sur cette confrontation entre ce qu'on trouve dans les musées, ce qu'on peut trouver dans certains musées, plus exactement des agrandissements et des originaux, avec des créations spécifiques à Bordeaux
comme ces espaces consacrés à l'Asie, réalisés par Paul Mattaran, et qui permettent de rassembler des éléments qui n'existaient pas à Lyon et que les richesses de différents musées de Bordeaux ont permis de rassembler pour montrer les rapports entre Pratt et l'Asie et ce qu'il a pu utiliser par rapport à la plupart du temps. Hugo n'est jamais, par exemple, ne s'est jamais rendu en Asie, mais par les reportages, par les revues, les catalogues d'exposition ou des visites de musées, il a pu reconstituer tous ces décors. Alors, des décors aussi qui sont un vrai bonheur quand on prépare une exposition, lorsque, par exemple, nous avons ici, c'est tout ce que Paul Mattaran a montré, à partir de ce grand agrandissement, nous avons chacun des éléments qui se retrouvent dans la boutique de Lévis Columbia, et bien aussi bien le caïman que la poterie, que ce qui a été quand même quelque chose d'incroyable, comme on le trouve parfois dans l'œuvre de Pratt, c'est la tête réduite du professeur Steiner appartenant aux réserves du musée d'Aquitaine et qui fait partie des choses totalement improbables que l'on croise parfois quand on s'occupe de l'œuvre de Pratt. Juste pour une petite anecdote aussi, donc nous avons préparé une exposition et puis tout d'un coup, on trouve la tête réduite de alors, pour la réalité des faits, c'est une tête, une fausse tête à partir d'un crâne de singe qui a été récupérée, je crois, à la fin du siècle dernier dans les collections du musée d'Aquitaine. Et qui n'a évidemment ni la personne qui a ramené d'Amazonie cette fausse tête réduite, ni Hugo Pratt ne se sont évidemment rencontrés, ni l'Indien d'Amazonie qui a fabriqué cette tête de gauche, à moins qu'il se soit inspiré, mais c'est impossible en termes de date du dessin de Pratt. En tout cas, on a ces événements improbables qui arrivent, et j'en donnerai un dernier exemple. Lorsque nous avons travaillé sur les mémoires de Corto-Maltese, j'étais allé récupérer une photo de Venise, celle que vous voyez là sur la gauche, à la Fondation Albert Kahn à Paris. J'avais pris totalement au hasard, sur un tas de quelques photos qui avaient été sélectionnées. Ce qui m'importait, c'est que ce soit une photo sépia, ancienne, du début du XXe siècle, et qui puisse être contemporaine de Corto-Maltese à Venise. Et puis, lorsque l'album est sorti, eh bien, en bas de l'image, en bas de la photo choisie totalement au hasard, s'était glissé un personnage ressemblant totalement à Corto-Maltese, comme un fantôme qui… Alors, ni Hugo Pratt ni moi-même ne l'avions vu, cette silhouette, avant que le livre ne soit imprimé. Et nous avons vu à ce moment-là qu'il arrivait quand même des choses étranges lorsqu'on s'approchait de ce personnage, où effectivement on distinguait le rêve de la réalité. Et puis pour terminer, des éléments aussi que nous avons voulu montrer dans cette exposition, j'évoquais précédemment la bande-son de l'œuvre d'Hugo Pratt, et bien nous avons consacré tout un espace, et ce tambour à fente en est représentatif, croisé avec des enregistrements et avec des originaux, pour illustrer toute cette dimension du son chez Hugo Pratt. Alors, c'est parfois très étrange parce que là où il devrait y avoir beaucoup de bruit, comme dans cette double page, nous avons vaguement trois petits bang, bang, bang qui passent. Donc, cette scène qui devrait être incroyablement bruyante ou avoir un son qui envahit l'écran devient totalement silencieuse. Où nous avons des bruits minuscules, comme dans cette planche qu'avait aussi montré Bertrand, et où nous avons aussi de la musique d'ambiance, jamais autant que chez Pratt on a écouté ou joué de la musique, alors qui pose, là c'est pour l'anecdote, parfois des petits problèmes au niveau de la traduction. Dans cette planche tirée des dans ce dessin pardon tiré des Scorpions du désert, où nous avons le lieutenant Stella qui écoute de la musique, il est
J'écoute bien évidemment de la musique italienne, en l'occurrence l'une des chansons les plus connues de la fin des années 30 dans la culture populaire italienne, Piccolo Chalet, mais total, par le Luciana d'Oliver et le trio Lescano, qui était très très connu aussi à l'époque. Par contre, quand vous êtes dans la traduction française des Scorpions du désert, Piccolo Chalet, ça dit strictement rien à personne. Donc, c'est à ce moment-là transformé par la chanson de Joséphine Baker, J'ai deux amours, et ça fonctionne très bien. Et puis, nous avons voulu aussi consacrer un espace au personnage féminin d'Hugo Pratt. Évidemment, jamais aucun dessinateur de bande dessinée, si ce n'est certains Américains des années 30, n'avait autant représenté de personnages féminins, à la fois pour ce qui est des aventures de Corto Maltese, mais bien au-delà, des personnages étonnants, avec rien de ce qui pouvait ressembler à ce qui avait été longtemps la présence féminine dans la bande dessinée, avec tous ces visages que les amateurs ou les lecteurs d'Hugo Pratt connaissent et à qui nous avons voulu rendre hommage dans cette exposition, en présentant aussi beaucoup d'aquarelles de ce que Hugo appelait l'eau sale et qu'il a en quelque sorte fait jusqu'à la fin de sa vie. Et nous avons eu la chance de pouvoir, et nous avons la chance de pouvoir en présenter un certain nombre particulièrement magnifiques. Et évidemment, tout ça s'est arrêté un jour, certainement pas à un moment que Hugo avait prévu, puisque son personnage aurait voulu choisir, n'est-ce pas, la date de sa mort, mais lui-même n'a pas choisi la sienne en 1995. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous avez pu porter à ces quelques images qui complètent ou qui les conférences précédentes et qui ont tenté de faire le tour de l'œuvre et aussi de la biographie du créateur. Merci Michel-Pierre pour cette passionnante conférence nourrie d'un corpus d'images si abondant. Donc, vous avez évoqué en 1 heure, c'est un exploit, hein, sa vie et les nombreuses sources d'inspiration qui l'ont amené à la création de son célèbre héros et enfin à ce succès tant mérité. Peut-être notre assemblée a-t-elle des questions? Ou Bertrand Houillon ou Dominique Petitfeu voudraient peut-être lancer peut-être une question. Moi, j'en avais une, si vous m'autorisez de démarrer. Vous nous avez parlé donc de tous ces objets qui sont présentés à l'exposition et qui sont tout à fait exceptionnels. Et on a compris donc qu'il s'inspirait d'ouvrages qu'il consultait, de revues, de reportages, de visites de musées. Mais je me demandais, puisqu'il avait une si riche bibliothèque, est-ce que par hasard il a été lui-même collectionneur d'art extra-européen? Est-ce qu'il avait, je ne sais pas quoi, des masques zoulous, des boucliers de Papouasie occidentale dans cette demeure du bord du lac en Non, Suisse? non, non. Non, non, il n'a jamais été collectionneur de ce type d'objets. Les seuls objets, ce que nous montrons aussi un peu dans l'exposition, les seuls objets qui l'intéressaient ont été des casques de scaphandre ou un scaphandre entier, en l'occurrence acheté à Lausanne à la fin des années 80 et que nous présentons dans l'expo. La fascination pour les scaphandres, disait-il, venant du fait que c'était l'un de ses premiers dessins qu'il ait fait. Alors qu'il avait 5-6 ans, il était avec sa grand-mère et il a vu sortir de la lagune de Venise un scaphandrier. Et le côté très graphique du scaphandre, ou plutôt du hublot, de la tête du scaphandre, du casque de scaphandre, l'a inspiré par la suite. Je pensais aussi, quand il le reconnaît dans le film avec John Wayne, qu'il le réutilise dans Mu, c'est un dernier hommage. Mais vraiment, je ne l'ai jamais vu, personne n'a jamais vu des masques africains ou des objets océaniens. Non, il glisse dans son œuvre, mais il n'a jamais été collectionneur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou approfondir le propos? Moi, je veux bien prendre la parole. J'ai une question à poser à Michel. D'abord, une toute première remarque sur ta première diapo pour compléter les bateaux de Corto Maltese. Si je me souviens bien, Bernard Lavilliers avait un bateau dans les années 80 qu'il a baptisé Corto Maltese. Ah oui. Non, mais on va lancer une grande collection. Ça on peut s'amuser avec ça. Et je te dis ça parce qu'en plus de son vrai nom, Bernard Lavilliers et Bernard Houillon. Donc, si jamais il pouvait reconnaître un jour son lointain cousin, ça m'arrangerait. Mais voilà. À part ça, pour compléter la question d'Adeline sur les objets ethniques et sur la collection et tout ça, j'avais fait quelques recherches avec toi pour l'exposition de Lyon sur les masques et tout ça. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à peu près partout, il a évolué sur cette question dans la représentation graphique au fil du temps. C'est-à-dire qu'autant sur la période argentine, j'ai l'impression, et là tu es l'expert après tout ce que tu viens de regarder pour Toutoprat, tous les objets ethniques sont à peu près à leur place. Les masques des faunés jusqu'aux mocassins, ils dessinent, même si ça ne se voit pas parce que c'est une bande grand public publiée, je ne sais pas, mais il doit y avoir 300 000 lecteurs potentiels, ou enfin, en tout cas exemplaires des Mystérix et Horacero. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel en termes de diffusion. Tout à fait, oui. Et il a quand même un souci du détail sur les planches de Sergent Coeur, qui représentent encore une fois à peu près au moins le quart de ses dessins, à peu près 12 000 cases. Donc, c'est assez extraordinaire. Un souci du détail de l'objet ethnique à sa bonne place. Progressivement, quand on va arriver sur Anne de la Jungle et puis plus tard, après Corto Maltese, on se rend compte qu'il le fait dans ses autres bandes, c'est-à-dire qu'il va commencer lui-même à déplacer un petit peu les objets. Est-ce que tu as ce même ressenti qu'à partir d'un certain moment, que moi je pense période pif, enfin la période marquante de sa vie, quoi, la moitié de sa vie, comme tu dis, image d'une vie, imaginaire d'une œuvre, il bascule dans l'imaginaire. Et il détourne des sources qu'il a, lui, réellement, de manière tout à fait volontaire, pour créer un imaginaire encore plus lointain. Non, je ne pense pas. Par rapport à ce que tu dis, par exemple, sur Sergent Kirk, effectivement, certains mocassins ou des arcs ou je ne sais quoi sont à peu près authentiques, mais tout est encore plus mélangé que les Océaniens dans la balade de la mer salée. Par exemple, dans l'un des épisodes de Sergent Kirk qui fait allusion au Hopi, il parle de la tribu des faux visages. Et les faux visages, c'est un groupe des nations premières, mais plus proche du Québec que de l'Arizona. Donc on est en quelque sorte encore. C'est un peu le contraire ce que je dis, de ce qu'on pourrait penser. Il est encore plus désinvolte à ce moment-là. Pour une raison très simple, c'est que connaître un petit peu les Indiens des plaines ou même l'ensemble du monde indien à partir de Buenos Aires, là où il se trouve, avec ce dont il peut disposer ou ce dont peut disposer Oesterheld, il n'y a quand même pas grand-chose. Pour avoir travaillé sur les douze albums que représentent les histoires des sergents de Kirk, exactement comme tu dis, c'est une production graphique tout à fait extravagante, mais il s'inspire. Par exemple, il va y avoir telle image vue dans un western qu'il va reproduire, mais non, c'est encore plus fantaisiste que par la suite. D'accord. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, un internaute demande pourquoi la collaboration avec Manara a-t-elle été si brève, deux ouvrages à ma connaissance. Oh, oui, c'est. Bah, là, il intervient comme scénariste et sur un moment assez court. Manara avait son propre univers
graphique, j'allais dire, son œuvre qu'il poursuivait et Prat la sienne. Je pense que c'était une véritable amitié entre les deux. Ça a intéressé Prat de revenir sur des histoires d'Amérique du Sud avec Manara comme scénariste, mais je crois que ça s'est passé comme des moments où on fait quelque chose et puis des moments où en fait d'autres. Et puis, c'était quand même un travail important d'être scénariste pour quelqu'un d'autre. Il avait son œuvre à poursuivre. Moi, j'avais une autre question. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien, ou en tout cas, certainement pas aussi bien que vous, la vie d'Hugo Prat, mais vous avez abordé la question des ayants droit. Aujourd'hui, alors, on ne sait pas. Tout le monde ne sait peut-être pas. Est-ce que Hugo Prat a eu des enfants? Est-ce que ou pas? Vous avez évoqué les ayants droit. Est-ce que vous pourriez juste donner un petit éclairage à ce sujet? Puisque j'imagine que chaque fois que l'on veut présenter une œuvre d'Hugo Prat, on doit demander une autorisation. Et à qui? Oui, comme pour d'autres créateurs, il a désigné comme ayant droit une société qu'il avait créée de son vivant, la société Kong, qui est animée par Patrizia Zanotti, qui a été aussi la coloriste collaboratrice, sans pour autant que les enfants n'aient été déshérités. Tout ça a été quand même clairement fait. Justement, cette question me permet de faire le lien avec une autre question d'un internaute. Qu'est-il advenu de la bibliothèque d'Hugo Prat? A-t-elle été dispersée, vendue ou conservée? Alors là, je vais rassurer tout de suite, elle est toujours préservée, gardée, elle est en caisse. Et il n'est pas impossible qu'une solution soit trouvée dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, mais elle est toujours intégrale. Il n'y a pas de souci. Ce sera intéressant de la redécouvrir lorsqu'elle sera à nouveau disponible. Alors, elle est, comment dirais-je, la Vulgate veut que ce soit 30 000 livres, nous sommes plus proches de 17 000, ce qui est déjà considérable parce qu'il y a énormément de livres rares, ceux d'un bibliophile aussi, et des livres très pointus rentrant dans ses domaines de recherche et son infinie curiosité. Mais la bibliothèque est intacte. Je m'étonne peut-être, il y a un musée Tintin, mais est-ce qu'il n'y aurait pas besoin ou projet un jour d'un musée Hugo Prat? Il y a eu une tentative qui avait été faite à Venise, une sorte de musée privé qui n'a jamais totalement donné satisfaction en quelque sorte. C'est pas plus mal pour les expositions qui ont lieu un peu partout. Il y en a une très belle qui va ouvrir à Gênes là, dans cette semaine. La possibilité ainsi des œuvres de circuler telle qu'elle existe entre la société Kong, les collectionneurs privés, etc. On ne pourrait peut-être pas faire la même chose si tout était bloqué dans un seul et unique musée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y avait une interrogation sur le lieu d'inhumation en fait d'Hugo Prat. Ah là, oui, c'est l'image est un peu triste. Oui, c'est à Grandvaux, un petit village au-dessus de Lausanne. Ou comme on le voit, alors là, la tombe change assez souvent, on dépose des cailloux, des crayons, des photos, des messages. Là, c'est un cœur qui a été dessiné avec des petites pierres, mais on peut s'y rendre. On parle parfois de cimetière marin pour Sète. Là, c'est un cimetière au-dessus du lac, dans un petit cimetière local d'un petit village suisse. Avant de nous quitter, est-ce que Paul Mataron, vous avez quelques mots à rajouter, ou est-ce que Dominique Petitfaux veut intervenir? Si vous voulez, d'abord, je voudrais remercier Michel Pierre, oui, parce que sans lui, on n'aurait pas pu mener à main cette,
cette exposition. On a beaucoup travaillé, on a bien travaillé ensemble, on a passé de très bons moments. Et puis, il y a une question que je ne l'ai jamais posée, finalement, c'est Hugo Pratt devant un tel personnage, une telle personnalité, c'est difficile à cerner, lui qui l'a quand même assez bien connu. J'aurais voulu savoir comment il était dans sa vie privée, Hugo Pratt. Ah, qu'est-ce que tu... Bah, à la fois, on est trois à pouvoir répondre. Oui. Qu'est-ce que tu appelles vraiment la vie privée? Ben, les rapports humains, pour, en fait, finalement, c'est pour nous, ça, on est assez fasciné par le personnage, mais c'est sa dimension humaine qui parfois nous échappe. Pour lui donner chair, comment il était, comment il fonctionnait, comment, si autant que faire se peut. Mais bon, pour des gens comme vous qui l'avez bien connu, ce serait intéressant d'avoir quelques mots là-dessus, quoi. Bon, je trouvais ça assez simple. Hein. Je vais laisser Bertrand aussi et Dominique en parler. C'était simple. Alors parfois, il fallait regarder avec lui la télévision et quelques films qu'il mettait, pas toujours des summums du cinéma mondial. Les moments agréables aussi étaient quand il faisait la cuisine ou qu'il plongeait dans la cave. Enfin, ce n'était pas une cave au sens strict du terme, mais une cave moderne. Non, c'était quelqu'un qui, une fois que les choses étaient claires dans les rapports humains, que rien n'était du ressort de je ne sais quelle courtisanerie ou autre, c'était vraiment, vraiment très agréable. Il pouvait être parfois assez sec avec des personnes dont il considérait qu'il l'importunait. Mais c'est-à-dire, non, il n'y avait rien de totalement déstabilisant. Et une fois que tout était clair, simple, tout se passait bien. Oui, je pourrais aller dans le même sens. C'est-à-dire, quand je l'ai connu, il m'a fait passer de façon subtile ce qu'on peut appeler des examens de passage pour voir un peu qui j'étais. C'est-à-dire, il aimait bien parfois déstabiliser pour voir qui était réellement la personne en face de lui. Oui, c'est vrai. Et quand il avait confiance, à ce moment-là, la confiance était absolue. Et il y a quelque chose qu'on mentionne pas souvent sur lui, c'est qu'il pouvait être très drôle et il pouvait beaucoup s'amuser et même faire des farces parfois. Donc, il y avait ce côté très, 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 très joyeux aussi chez lui. Bertrand, tu peux... Je vois qu'il y a Monsieur Jardin, sans image, qui oui. a levé la main. Je vais ouvrir votre micro, monsieur. Oui, bonjour. En fait, j'aurais souhaité savoir qu'est-ce que Hugo aurait pensé de la reprise en fait, de son œuvre, et notamment de Corto Maltese par le duo espagnol. Et aussi, il y a aussi Bastien Vivès qui a repris ça récemment. Oui, c'est difficile de dire ce qu'il aurait exactement pensé de chacune de ses œuvres, mais en tout cas, il n'était absolument pas contre, puisque c'est à moi qu'il a dit qu'il était d'accord pour que Corto Maltese continue ensuite, après lui. Et si vous voulez, ce qu'il voulait, c'est que Corto devienne comme un mythe, hein, de même que, par exemple, le personnage de Don Juan peut être interprété au fil des siècles par Tirso de Molina ou Molière ou Mozart ou Da Ponte, etc. Il voulait en quelque sorte que Hugo Pratt s'efface derrière Corto Maltese, ce qui implique donc que différents auteurs, à travers les siècles, donnent des variations sur son personnage. Donc il était absolument pour cela. Maintenant, évidemment, ce qu'aurait-il pensé exactement de chaque œuvre, on ne peut pas savoir ça. Ce qui serait certainement resté comme un regret, c'est le fait, lui qui était tant fasciné par le cinéma et qui aurait certainement voulu devenir aussi quelque part metteur en scène, c'est que Corto Maltese oui. n'ait jamais été adapté au cinéma. Oui, parce qu'il est certain que le cinéma fait beaucoup pour ce genre de choses. Si on pense à James Bond aujourd'hui,
Si James Bond est toujours vivant, si les adolescents le connaissent toujours, c'est évidemment grâce au cinéma, plus que grâce au roman d'origine de Ian Fleming. Il y a une étudiante qui va faire sa un travail de licence sur Hugo Pratt. Et elle demande si elle peut vous interviewer pour avoir plus d'informations. Donc, oui, bien sûr. Vous pouvez lui donner nos coordonnées. Mais il faut aussi qu'elle regarde bien, mais je pense qu'elle l'a déjà fait, qu'il y a quand même déjà pas mal de travaux universitaires qui ont été faits sur Hugo Pratt et son œuvre. Mais je pense qu'elle a déjà fait les recherches. Mais effectivement, on peut lui donner nos adresses e-mail. Bon. Donc j'invite Mathilde, c'est son prénom, à nous envoyer son mail au musée ou aux amis du musée et nous transmettrons les coordonnées des spécialistes qui nous ont accompagnés tout au cours de ces 15 jours dans l'univers d'Hugo Pratt. Est-ce que vous avez d'autres questions, des informations à rapporter, des avis, des questionnements sur l'œuvre d'Hugo Pratt ? Il y a une question sur les films d'animation qui ont été faits autour du personnage de Corto Maltese. Alors, je pense que la personne qui pose la question pense à la Cour secrète des Arcanes. Il faut savoir qu'en fait, les films d'animation ont démarré en 1972 en Italie, qu'il y en a eu plusieurs, et que ça s'est prolongé après la Cour secrète des Arcanes. Il y en a eu plusieurs. Alors, je pense que la question, Michel Pierre, Dominique, Petitfaux, qu'est-ce qu'aurait pensé peut-être Hugo Pratt de la poursuite de ses œuvres dans un format dessin d'animation? C'est toujours difficile, effectivement, à dire, mais la Cour secrète, c'était plutôt pas mal dans le genre d'animation, avec des innovations compliquées de répondre. Oui, il y a une autre question. J'ai une petite main là-haut. Ah oui, c'est moi, excusez-moi. Oui. C'est moi qui ai posé la question sur le film d'animation. Ah, d'accord. Que j'ai trouvé personnellement très bien fait. Oui, 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 je suis plutôt... Très bien fait et dans l'esprit des livres, quoi, du personnage. Oui, voilà. Ouais, avec des procédés originaux et un scénario qui mélangeait plusieurs histoires et qui fonctionnait bien. Ouais. Ça ne veut pas dire que ce soit une habitude à prendre non plus. Hein. Il y en a eu plusieurs hein, faites à ce moment-là. Alors, il y en a qu'un qui est sorti en film, mais il y a un coffret. Alors, je pense qu'il est peut-être difficile à trouver aujourd'hui, mais qui reprend un certain nombre d'autres épisodes parus dans PIF à cette période-là, si jamais ça vous intéresse. Et il y a sur YouTube des épisodes qui ont été faits dans les années 72, enfin en 72. En Italie, qui peuvent être, qui sont aussi visibles, qui sont un autre type d'animation. Oui, qui était diffusé par la RAI à cette époque. Mais qui n'atteint pas le... Ah non, pour le coup, ils sont beaucoup plus statiques. C'est, oui, c'est pas le même genre. C'est de l'image qui bouge, c'est pas de l'image animée. Oui. Non, c'est pas le même genre. Mais ça existe, faut le noter. Mais bien sûr, je pense que Pratt aurait été heureux qu'il y ait un film avec acteurs. Il y a eu plusieurs tentatives, mais finalement, aucune n'a abouti. Chers auditeurs, est-ce que d'autres questions auraient envie d'être posées? Bon, je pense que nous arrivons à la fin de notre soirée. Il me reste à vous remercier tous, Michel Pierre en premier, mais également tous les grands spécialistes d'Hugo Pratt qui nous ont nourris de toute leur savoir, hein, Dominique Petitfeu, Bertrand Guillon, Paul Mataran, merci pour tout. Et vous pourrez retrouver prochainement sur le site des Amis du Musée ou le site du Musée d'Aquitaine les conférences qui ont été traitées à propos d'Hugo Pratt et de Corto Maltese.
Nous vous souhaitons une bonne soirée et à très vite sur notre plateforme. Mais surtout, venez au musée. Ça, c'est oui, important. C'est le plus important. Merci pour tous vos messages chaleureux et vos remerciements. Et bien sûr, il reste encore 3 mois pour voir l'exposition du musée d'Aquitaine. Ne vous en privez pas et surtout pas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Michel.